Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir chez vous Isabelle Alonso, Claude Sarraute, Ferry Cochin, Jean Benguigui, Philippe Vandel et Jean-Luc Lemoine. Tout va bien, Claude? Impeccable. C'est vrai? Impeccable. Sauf que je m'engueule tout le temps avec mon bonhomme, autrement. Oh ben zut, alors qu'est-ce qui se passe? Il me trompe. Comment ça? Bah oui. C'est des représailles, c'est normal. Il fait des fugues. Il a des maîtresses, tu penses? Bah, je crois qu'il s'est repris une vieille maîtresse. Encore plus vieille que toi, il a trouvé? Non, une ancienne. Une ancienne? Une ancienne. Ah bon. Mais vous dites ça comme ça à la télé? Mais tu vas le couper. Ah non? Vous êtes drôle, vous, je vous ai rien demandé, moi. Mais en vous, est-ce que vous avez est-ce que vous faites pareil de votre côté? Ben non, parce que je le surveille comme le lait sur le feu. Elle dit non, parce que maintenant qu'elle sait que ça ne sera pas coupé. Non, non. C'est la première fois que ça vous arrive? Ben non, il l'a fait avant avec cette même bonne femme. Et tu la connais? Je suis sûre. Ben, je pense que là, au point où t'en es, il faut que tu donnes le nom maintenant. Parce ben que... oui. On s'engueule aussi, hein, Claude, si ça te rassure. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ah bon? Je suis au-delà de l'engueulade, moi, j'ai envie de le quitter. Ah, ah bon? Attention, on en apprend des choses ce soir. C'est la rupture. J'y pense, brutal. Très sérieusement, voilà ce que je veux savoir. Si tu prenais sur le marché, pense à moi, d'accord? Je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour, et cette photo, c'est celle des patrons de chaîne reçus hier à l'Élysée par le président de la République afin d'aborder, vous le savez, le problème de la lutte contre la discrimination, notamment à la télévision. La télévision, a dit le président, est le miroir de la société. Si certains ne s'y voient pas dedans, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, il y a une faute. Je ne sais pas si c'est le président qui a fait cette faute ou si c'est le journal, mais la télé est le miroir de la société. Si certains ne se voient pas dedans, c'est qu'il y a un problème. Oui, absolument. Pas, ne s'y voient pas dedans. Absolument. Hein, apprenons d'abord à parler français. Absolument. Voilà ce que je dis, moi, franchement, monsieur le président. Hein, c'est peut-être pas lui qui a fait la faute. Dans ces cas-là, Claude, c'est le journaliste ou le président qui fait la faute? Il est capable. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est ses liaisons. Il te dit infiniment. Elle pense qu'à ça. Mais non, les liaisons. Ouais. En tout cas, aussitôt dit, aussitôt fait, afin de représenter l'ensemble de la population française, ce soir TF1 et France 2 ont demandé à Patrick Poivre d'Arvor et David Pujadas de faire un effort. Voilà, vous les verrez comme ça ce soir à 20h. On a beau dire, c'est quand même pas demain la veille que Jean-Pierre Pernaut sera remplacé par Marcel T. à la menthe et Laurence Ferrari par Marceline Pigeot. Hein. Le métissage, vous le faites parce que vous accueillez tout le monde dans votre émission, oui. Même les cocus. Et il y en a plus qu'on ne croit. Tu parles de qui, et là? Oui, Jean-Luc, Claude, elle sait. Tu veux dire que ton mari avec... Non. Ah, j'ai eu peur. En tout cas, le président Chirac est très occupé. Lui, en ce moment, hier, il recevait les présidents de chaîne. Et ce midi, vous le savez, à l'Élysée, est venue déjeuner Angela Merkel, la nouvelle chancelière allemande. Évidemment, M. Chirac a été un peu surpris. Il s'attendait encore à Gerhard Schröder. Quand il a ouvert la porte de l'Élysée, M. Chirac aurait même déclaré « Bernadette, c'est pour toi !» En fait, le président a reçu lui-même, évidemment, Madame Merkel. Il lui a même dit « C'est marrant, maintenant que j'ai remis mes lunettes, je te trouve plus sexy, Gerhard. Oh. » La politique people, maintenant, avec aujourd'hui, alors à la une de Métro, cette question, Cécilia Sarkozy de retour, point d'interrogation. En effet, d'après le site web du Nouvel Obs, Cécilia s'apprêterait à rentrer au domicile conjugal. Alors là, franchement, si tout le monde rentre à la maison, c'est bien la preuve que Sarko a eu raison de faire voter le couvre-feu. Hein. En tout cas, l'omniprésence et l'emploi du temps surbooké, vous savez, de Nicolas Sarkozy, toujours en hyperactivité, est démenti ce matin par la presse, puisqu'à la fameuse réflexion qu'on entend tous les jours et depuis des semaines, Sarko, il n'arrête pas, eh bien, le Parisien répond ce matin, eh bien non, il arrête, 422 condamnés sur 3000 arrestations. À gauche, un autre couple a illuminé Paris hier soir. C'est Bertrand Delanoë et Adriana Carambeu qui, à 18h, ont illuminé les Champs-Élysées. Résultat, l'action EDF a chuté de 32 à 31 euros dans la minute qui suivait. C'est vachement bien.
On n'est pas sûr qu'il y ait un rapport. Hein. Ouais, on n'est pas sûr. Pourquoi vous vous marrez? Moi, parce que c'est très drôle. Aussi, moi, je ris parce que c'est très drôle. Bah, voilà. Vous riez parce que vous n'avez pas acheté d'action EDF. C'est vrai. Hein. La grève à la SNCF maintenant. 23% de grévistes selon Le Parisien. Un flop d'après ce journal. La SNCF est sur de bons rails en revanche, nous dit France Soir. La SNCF lâche une prime aux grévistes, titrait Le Figaro. Les cheminots bousculent le gouvernement, résume L'Humanité. Il n'y a qu'à Libération que la grève continue. Pas de chemin de fer depuis deux jours. Faut peut-être préciser. Faut expliquer ce qu'est un chemin de fer. Ce que c'est qu'un chemin de fer, chemin de fer, c'est le journal qui est mis au mur avec toutes les pages où on voit l'implantation des rubriques société. Dans sport, toutes les rédactions, quand un journal se prépare, on inscrit sur le mur page par page ce qu'on va y mettre et ça s'appelle le chemin de fer. Voilà pourquoi il n'y a pas de chemin de fer depuis deux jours à Libération, pour être très clair. Vous lisez quel journal, vous, Claude? Tout. Tout. Libération, c'est Le Parisien. C'est pas par intérêt, c'est pour gagner au qui a vu quoi. Le tracé du Dakar maintenant, puisque le Dakar 2006 a été présenté à la presse hier. Et alors cette année, le Paris-Dakar ne passera pas du tout par la France. Le pays a sûrement été jugé trop dangereux pour les concurrents. Pourtant, pour relancer l'intérêt de la course, avouez qu'un Dakar 2006 partant de Clichy-sous-Bois pour arriver à Montfermeil, ça aurait eu de la gueule. Aux États-Unis, on va encore croire que les conflits de ces régions ont empêché l'organisation du parcours. Vandel. Et ils ont changé le règlement, vous avez vu, il y a interdiction du GPS maintenant. Non. Limitation. Limitation. Limité, ça veut, le GPS te dit juste, vous êtes en Afrique. Et tu te démerdes. Allez, on termine par le match de ce soir en Ligue des Champions. Deux grands clubs, le Real de Madrid contre l'Olympique Lyonnais. Et vu la forme du club espagnol, pardon Isabelle, mais c'est Lyon qui est donné favori ce soir. En tout cas, vu le budget des deux clubs, de toute façon, on ne pourra pas dire que c'est un match à 3 francs zizou. Hein. Le 31 octobre est sorti Chemin de Traverse. Alors, c'est pas n'importe quoi. Regardez ça un peu. Un coffret comprenant l'intégrale de William Scheller, c'est-à-dire 16 CD plus un DVD. Vous y retrouverez donc évidemment tous ces tubes à William Scheller, Rock'n'Roll Dollar, Le Carnet à Spirale, Nicolas, Oh, je cours tout seul, aucun rapport avec le ministre de l'Intérieur, ces deux chansons, Fier et fou de vous, et évidemment le fameux Un homme heureux. Mais vous aurez aussi, évidemment, d'autres chansons. Mais il faut bien chercher parce qu'il y en a tellement dans ce coffret, c'est assez incroyable. Plus simple, peut-être, ce DVD et ce CD, album et DVD live de Parade au Cirque Royal, le spectacle enregistré au Cirque Royal de Bruxelles par William Scheller, puisque c'est lui qu'on accueille. William Scheller. Bonjour, bienvenue. Vous avez compté, vous, le nombre de chansons dans ce coffret? Il y a 200, je ne sais pas combien de titres, oui. 200 et quelques. 200 et quelques titres de William Scheller. C'est un beau cadeau pour Noël, pour ceux qui aiment William Scheller, évidemment. Oui, parce que trop pour les autres, c'est une mauvaise surprise. Ah, mais ça, c'est sûr. Gardez ticket de caisse. Hein. Mais moi, on m'aurait offert ça, par exemple, j'aurais été heureux, on me l'a offert d'ailleurs, et je suis ravi, parce que franchement, c'est génial, quoi. Est-ce que c'est une consécration de voir comme ça toute son œuvre ou une partie de son œuvre? Non, c'est tout d'abord. C'est une grosse bougie. Ah oui, mais on a été fouillé beaucoup plus loin que 30 ans de chansons. Ça remonte à 67, quelque chose comme ça. On a même passé dans qui a vu quoi l'autre jour une photo de vous. Ils ont mis 10 minutes avant de trouver que c'était vous. Parce que vous aussi, vous avez changé. Les premières photos, vous aviez les cheveux. Regardez, ça, c'est incroyable. Ouais. Les cheveux et la barbe de William Scheller. Ça, vous chantiez déjà à cette époque-là? Non. Je commençais à composer. Là. J'avais fait une messe pour des amis qui se mariaient, tout ça. Je fais des arrangements à l'époque. Vous étiez hippie? Oui, on fait comme tout le monde. Ouais. Pas plus que les autres. Pas plus que les autres. Pas plus que les autres. Et alors, ce DVD et ce CD Parade au Cirque Royal a été enregistré au mois de mars dernier à Bruxelles. Et alors là, vous êtes avec un orchestre? Ah oui. Grand orchestre? Grand, quand même 18, oui, sur le plateau. Ce qui aujourd'hui fait un grand orchestre, oui. Ce qui change de la tournée, là, vous êtes avec un quatuor en tournée en ce moment. Ah, c'est autre chose. C'est pour faire revivre une autre époque où j'étais en quatuor et piano, oui. Regardez un extrait du spectacle Parade au Cirque Royal, William Scheller, avec quelques extraits de ses chansons les plus connues. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Et j'ai gardé dans mon carnet spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous des
me sens toujours tout seul. C'est comme dans un vieux rock'n'roll. C'est magnifique, hein? Je vous vois avec le sourire en regardant ces images. Oui, oui. Isabelle Alonso. Vachement bien, moi j'étais super contente de regarder ça parce que je n'ai jamais eu le bonheur de vous voir sur scène et vraiment, le DVD s'est très très bien reconstitué et en plus, il y a un bonus, il y a une interview de vous qui est longue où vous prenez le temps de parler de vous. Or, vous êtes quelqu'un d'assez secret, on ne vous connaît pas tant que ça et moi j'étais ravie de regarder cette interview du début à la fin où vous racontez deux, trois anecdotes assez rigolotes. Vous parlez de votre amitié avec Barbara. Oui. Les gens ne savent peut-être pas ça. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire du magnétophone de Barbara et de ses bande. Parce oui, parce que très, j'étais surpris. Elle avait un de ces magnétophones, les gros, les anciens, avec des grosses roues comme ça. Et alors, c'était plein de nœuds. J'ai dit, pourquoi il y a des nœuds? Ah, ben c'est moi qui... Alors, elle faisait passer le morceau, et puis quand il y avait un passage qui ne lui plaisait pas, elle tirait la bande magnétique, tac, avec les dents. Elle coupait, elle tirait la bande, et elle faisait un nœud, et ça repartait de l'autre côté. Alors, on écoutait les chansons, je disais, mais tu peux pas mettre du scotch? Ah non, ça m'ennuie. Alors chez elle, il y avait plein de nœuds comme sauf ça. Sauf qu'après, parfois, quand elle les réécoutait, elle chantait pareil. C'est vrai, c'est vrai. Jean-Benguigui. William Scheller pourrait être un client pour les people exceptionnels. Il est moitié américain, moitié français. Il avoue sa bisexualité. Il raconte qu'il s'emmerde dans les soirées, qu'il passe sa journée aux toilettes parce qu'il a pas envie de voir les gens quand il y a trop de monde. Et tout ça, on l'apprend par bribes, au gré des interviews, mais jamais il y a un papier sur vous, jamais. Vous n'êtes le porte-drapeau d'aucune cause, vous êtes le porte-drapeau de votre musique et de votre talent et de votre vie. Et ça, je trouve ça absolument magnifique et c'est une leçon. Merci beaucoup. Jean-Luc. Moi j'avais le DVD, moi aussi j'ai beaucoup de mal à regarder les spectacles en DVD, je trouve que ça écrase un petit peu le ressenti de scène et en fait là c'était génial. C'était génial, déjà ils se moquent pas de nous parce que c'est 2h33 quand même le concert et c'est certainement le concert le plus bavard que j'ai jamais vu de ma vie. C'est-à-dire qu'entre chaque chanson, il raconte une anecdote, il y a des digressions, il y a des moments où il est un peu prof, il nous explique le nom des instruments avant et tout et c'est un délice à chaque fois, on rentre dans son univers. Et ce que je voudrais juste savoir, c'est il y a un mystère, c'est est-ce que vous assumez vos passions. Parce que dans des interviews, en 2003, vous dites « Le dernier concert que j'ai vu, c'est André Rieu, c'était pour faire plaisir à un copain. » En 2005, vous dites « J'étais voir André Rieu en concert, c'était pour faire plaisir à ma mère. » Vous y êtes allé deux fois, donc vous êtes fan. Il faut l'avouer. Une confusion. Non, j'avais un copain, un régisseur qui travaillait avec moi d'ailleurs, qui m'a dit « Je passe près de chez toi à Orléans avec Rieu. » Alors j'ai dit « Écoute, je veux voir ce que c'est. » Quand même, hein, faut aller voir. Et alors, vous êtes ennuyé, vous avez trouvé ça bien, il joue bien, il dirige bien, parce que c'est un chef d'orchestre sur scène, il joue bien du violon. Oui, la vie d'un expert, ça m'intéresse. Oui, mais bon, évidemment, c'est pas Oistrakh, hein, mais il joue des mélodies populaires, il y a beaucoup de c'est saupoudré de têtes blanches, hein, dans le Zénith. C'est pas ridicule. Les gens dansent, c'est pas ridicule, non. Une fois qu'on est dedans, qu'on regarde ça, on voit qu'il y a du bonheur pour des milliers de gens. C'est un exercice difficile, bonheur, hein, la critique bienveillante. J'aime pas la critique malveillante parce que c'est énormément de boulot, c'est énormément de choses. Moi, les gens qui donnent du bonheur à d'autres, je vais pas critiquer. C'est bien fait. Éric Cochin. J'ai lu que enfant, vous vouliez devenir Beethoven parce qu'il était le plus connu et qu'il faisait sérieux. Alors, je voulais savoir... Enfin, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est ce que vous avez déclaré. Oui, si vous êtes sourd, je me suis arrêté à Beethoven. Non, je voulais savoir si vous étiez satisfait du résultat ou si vous étiez un petit peu déçu, parce que c'est vrai que vous êtes très connu, mais vous n'êtes pas le plus connu. Ah, non, oui. Donc... Oui, non, mais moi, ça s'arrêtait à Beethoven. C'est pas parce qu'il était le plus connu ou le plus... je voulais être Beethoven, mais c'est comme ça à 11 ans. Oui. Et aujourd'hui, pompier, alors... je continue à essayer d'être moi-même, c'est pas toujours facile, et puis voilà. Bon, ça, vous êtes le meilleur William Scheller que je connais. Bon, ben alors, Vandel. Je vous parlais d'un paradoxe que j'ai vu en regardant les interviews de DVD, j'avais jamais vu ça. Vous parlez de composition, et vous dites, c'est passionnant, et vous avez un rictus. Puis après, vous parlez d'écriture, et vous dites, c'est un enfer, avec un grand sourire. Est-ce que vous ne savez pas le premier musicien, Mazo?
Ah, peut-être. Vous êtes content quand vous souffrez, vous n'êtes pas content quand vous vous marrez. Non, mais ça, j'en sais rien. On ne sent pas en vous quelqu'un de gay. Mais on ne sent pas non plus quelqu'un de triste. C'est ça qui est très étrange. Je suis quelqu'un de normal. Non, mais on ne sent pas quelqu'un de normal non plus. C'est ça qui est très étrange chez vous. Je suis d'accord. Je ne suis pas triste. William Scheller, en CD, en DVD, l'intégrale ou le spectacle. Merci en tout cas d'être venu nous parler de tout ça. C'est moi. En tournée actuellement à travers la France. Merci, William. Merci. Au revoir. Vous vous souvenez de la polémique suscitée en 2003 par le choix de l'animatrice de télévision Evelyne Thomas pour servir de modèle à notre Marianne nationale. Eh bien, cette année, le club des 420 maires, qui depuis la fin des années 60 désigne une personnalité pour prêter ses traits au célèbre buste des mairies, eh bien, cette année, ce comité, cette association a décidé que Marianne serait anonyme. En effet, après Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Inès de la Fressange, Laetitia Casta ou d'autres, la nouvelle Marianne sera elle aussi victime de la grève des bustes. Elle ne portera pas de nom. Alors pour parler de ce sujet, on va accueillir tout de suite le secrétaire général du concours Marianne d'Or, qui on avait tant entendu au moment où il devait défendre le choix d'Evelyne Thomas. Souvenez-vous, c'était je crois il y a 2 ans déjà maintenant. Voici monsieur Alain Trompoglieri. Bonjour Laurent. Alors cette fois, vous avez décidé d'être prudent. Hein. Ah. L'affaire Evelyne Thomas, plus jamais. Pas du tout. Alors on va ouvrir tout de suite le procès. Allez-y. Ou on va le conclure. Allez-y. Vous étiez tellement heureux, vous tous, le jour où on a désigné Evelyne Thomas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on s'est dit, ça moi je vous remercierai jamais assez. Bonjour pour vous tous. Et puis depuis ce jour-là, ça a été un procès, un réquisitoire permanent. Il n'y a pas eu une émission de radio, de télévision, des chansonniers qui n'ont pas fustigé le choix d'Evelyne Thomas. Voilà une fille populaire qui a fait une émission populaire à la télévision. Depuis, on n'arrive pas à la remplacer. Elle ne peut pas aller dans les mairies. Même à l'Assemblée nationale, depuis qu'elle n'est plus là, l'audience a baissé des questions d'actualité. Parce que dans les campagnes et dans les villes, on regardait « C'est mon choix ». Et ensuite, il y avait Fernand Tavares qui était en direct de l'Assemblée. Mais maintenant, les gens vont sur Derrick. Et reste sur la 2. Oh, la télé moderne, c'est dingue. Voilà. C'est d'accord, nous qu'on passe d'Éric. Oui. C'est France 2, mais on en est fiers, la France 2, de passer d'Éric. Voilà. Ah non, elle est belle, Evelyne. Voilà. On la reconnaît plus, mais elle est belle. Comment on la reconnaît elle plus si, je peux vous dire que les maires de France qui reçoivent ce trophée, comme l'on reçoit un Oscar, un César ou un 7 d'or, vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est qu'un 7 d'or. Non, Laurent. J'en ai un, monsieur. Ah bon. Pas de bol. La première année dont on a tout essayé, on a déjà reçu un 7 d'or. Et depuis, il n'y a plus le concours des 7 d'or. Et donc, les maires qui reçoivent ça sont très fiers d'être reconnus pour leur politique, pour leur choix, pour leur management, pour le bon usage de l'argent public. Et les citoyens aussi. Et je n'ai pas connu en 3 ans un seul maire qui ait récusé Evelyne Thomas. Et cette année, donc, on a décidé en votant, parce qu'on fait ça comme pour les académies, on demande aux maires, on pose un certain nombre de questions, et à la fin, il y avait une question, voulez-vous pour l'année prochaine persister dans une Marianne célébrité, ou voulez-vous une personnalité, quelqu'un de neutre? Donc, 95% des maires ont dit, cette année, pas d'emmerde avec les ruquiers. Est-ce que je peux me permettre une suggestion qui vous a déjà été faite par les temps qui courent? Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de nous faire une Marianne noire ou arabe, black ou beurre, comme symbole de la mixité sociale? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça serait bien? Eh ben, je vais vous dire. Et même au nom de la parité, une Marianne mec. Marianne non. Laurent, je vais vous dire cette Marianne est une icône gay déjà. Pourquoi? Ah, mais comme ça, elle a un petit côté. Ça, on ne pourra jamais. Non. Ah, bon. Alors, pour répondre, il y a eu des Mariannes noires. Elles sont dans certaines mairies. Oui. Ah. Nous les respectons beaucoup. Vous la changez tous les combien? Parce que le temps passe, c'était quand Écoutez, je la change chaque fois que j'ai envie de venir à l'émission. Ah! Donc, tous les 3 ans. Mais sérieusement, là, vous dites que vous avez décidé d'aller vers quelqu'un de plus anonyme. Est-ce que très franchement, une vedette aurait accepté de poser pour Marianne? Parce qu'on parle de la polémique, mais Evelyne Thomas s'est quand même fait déchirer aussi par tout le monde. Oui, parce que c'était Evelyne Thomas. Oui, mais j'imagine que. Par vous tous. Non, mais jusqu'à présent. Pas par le peuple. Jusqu'à présent, les gens étaient plutôt bienveillants avec celle qui était nommée Marianne. J'imagine qu'une vedette, d'un seul coup, elle se dit est-ce que c'est vraiment un cadeau d'être Marianne? Laetitia Casta, il y avait eu une polémique aussi, je me souviens.
hein, parce qu'à l'époque, elle était partie à Londres pour raisons fiscales. Et donc, on regrettait d'avoir choisi quelqu'un qui ne voulait pas payer ses impôts en France comme Marianne. Donc, à chaque fois, il y a un problème, en fait. Ceci étant... Juste un mot, vous nous accusez de tous les mots, pardon, Perry. Vous dites, elle a été choisie, elle a été dénigrée par vous, pas par le peuple. Mais cette Marianne, vous la vendez aux mairies. Est-ce qu'ils ont autant acheté Evelyne Thomas que ce qui avait été acheté Brigitte Bardot? Celle qui a le mieux marché, c'est qui? Les mieux marchés, les maires prennent toujours des Marianne anonymes, c'est ce qui marche le mieux. Bardot avait bien marché quand même. Bardot avait bien marché, mais Bardot a eu un petit succès parce que le premier maire à l'avoir choisi, c'était Giscard d'Estaing à Chamalières. Je me souviens dans les mémoires de Bardot, elle raconte comment Giscard, à un moment donné, lui a caressé la cuisse. Mais elle était déjà venue sous le général. Sous le général Oui, bien sûr. Ah oui. Et Mireille, elle a eu du succès, Mireille. Mireille, pas trop de là succès. Là non plus. Mais Johnny Stark attachait beaucoup d'importance au choix de Mireille. Et Mireille avait choisi le même sculpteur que Brigitte Bardot, Aslan. Franchement, je trouve que tout ça est d'une connerie, mais monumentale. Pourquoi est-ce que vous changez? Prenez-en une et gardez-la pendant 100 ans. Je vois pas pourquoi on change. Et pourquoi on change de maison? Et pourquoi on change de look? Et pourquoi on change de coiffeur? Mais parce que c'est une tradition. On ne change pas les couleurs du drapeau. Là, c'est quelque chose. Oui, on n'est pas en train de changer de drapeau ou d'hymne national. On change pas le génie de la Bastille. Mais l'hymne national, on se pose toujours des questions sur ses paroles. Il y a débat sur ses paroles. Il y a débat sur la musique, sur son tempo. Ça fait combien de temps qu'il existe? On n'est pas en train de le changer tous les 3 ans. Là, vous changez un truc qui est quand même assez symbolique tous les 3 ou 4 ans. Mais nous faisons. Et puis si vous dites qu'il faut changer. Look, enlevez-lui son bonnet de schtroumpfette là. Parce que... Nous faisons quand même progresser avec ce concours la démocratie locale. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le concours, ça n'a rien à voir. C'est l'occasion d'expliquer qu'il y a en France des maires qui font des choses Monsieur, ça n'a rien à voir, vous répondez à côté. Le concours, c'est vachement bien, c'est super. Le trophée, c'est vachement bien, c'est super. Il faut le maintenir et il faut l'offrir aux maires qui font des choses bien. Mais pourquoi changer le visage? Garder la même personne pendant 100 ans, 200 ans. Mais non, pas vous. Mais pourquoi pas moi? J'adore l'argumentaire, c'est pas un argument, ça, c'est pas une réponse. Non, mais c'est pas une réponse. Vous répondez pas aux questions et vous n'avez pas répondu à la mienne, vous n'avez pas répondu à la mienne. Parce que tu as honte. Pas du tout. Jean-Luc, est-ce qu'il n'y a pas aussi les fantasmes des maires qui ressortent un peu? Parce que j'ai lu un truc, moi, qui m'a énormément étonné. Il paraît que 3% de votre collège voulait imposer Monica Bellucci. Quel est le rapport avec la France là? Il y a quelque chose qui m'échappe. Non, parce que... Vincent Cassel. Vincent, oui, déjà. Non. Vous êtes d'une mauvaise foi, vous, c'est énorme. Non, mais c'est le pire de tous. Ah oui, c'est du jamais. Merci, lui, Jean, de reconnaître certains talents. Non, mais c'est graphique. Il faut que c'est aussi une œuvre d'art. C'est aussi l'expression d'un sculpteur. Et Monica Bellucci. Elle n'est pas française. Mais Monica Bellucci, elle n'est pas française. Elle parle le français mieux que vous et moi. Non, elle fait toutes les émissions de télévision. Il vient de vous le dire, Alain. Pourquoi il en change tous les 3 ans? Vous l'appelez c'est Alain, pour passer. Vous... Bah oui. Mais oui, c'est son. C'est pour passer à la télé. Bah voilà, t'es con. Bien sûr. Mais évidemment. C'est uniquement ça. Ça fait de la pub. Pour vulgariser notre concours. Voilà. Et pour que, vous savez, l'année prochaine. On va avoir de plus en plus de mal à trouver des élus en France. Mais quoi ? Des élus, des maires, des conseillers municipaux, etc. À Paris, il faut candidat. À Paris, il y a un trop-plein. Mais en France, on va avoir beaucoup de mal parce que c'est des responsabilités, il y a beaucoup de difficultés. Mettez-vous à la place d'un maire. Il y a un procès toutes les 2 minutes. Et puis, il y a des risques considérables. Donc, ne me faites pas ce procès, on fait un concours des mairies qui marchent bien, des maires qui ont la foi. Vous en recevez ici à cette place des gens qui ont la foi. Trompolieri est le roi de la langue de bois. C'est-à-dire que c'est quand même le type, quand il est emmerdé par une question, il peut te dire « pas vous et pas ça ». C'est un truc comme ça. C'est un truc de Normandou, ça. Non, mais c'est extraordinaire. Alain, il faut dire la vérité, je vous appelle Alain comme un peu de sa route. Les trophées, d'accord. C'est la vente à 1000 euros des bus dans les mairies qui n'ont pas de quoi s'acheter déjà une Marianne 3e République. Mais qui vous dit que ça vaut 1000 euros d'abord? 792 euros. Oh. Mais Evelyne Thomas, elle est soldée à 200 euros. Non. Et en plus, vous aviez déjà une dernière Marianne qui était anonyme, alors pourquoi faire la prochaine anonyme aussi? Tout le monde a oublié Evelyne Thomas, c'est ça l'histoire aussi. Les animateurs de télé, ça passe vite, vous savez. Les animateurs de télé ont une place très importante dans la vie des Français. Parce que chaque Français passe 3h30 par jour devant la télé. Pas vous et pas ça. Allez, vous installez si vous le voulez bien à côté de Thierry Cochard, qui serait une très belle Marianne. Oui, c'est vrai. Allez. Et puis,
Ah, si vous voulez bien vous déplacer. Ben, j'arrive. Voilà. Alors, avec laquelle? Ah ben, prenez les deux. Prenez les deux. Allez vous installer à côté de Perry, monsieur Tremplin Guilloré. Oui. Voilà. Pourquoi je vous demande de vous déplacer, monsieur Trampoglieri. Trampoglieri. J'arrive pas, j'ai du mal à dire votre nom. Trampoglieri. Pourquoi je vous demande de vous... Vous êtes un petit peu jeune dans la profession, c'est peut-être pour ça que vous connaissez pas tout à fait mon nom. Ah oui, ça... Il t'a mis là, ça va. Le café. Double café. Double casse. Double casse. Ah, il a frappé là. Il a frappé là. Monsieur Trampoglieri, si je vous ai demandé de vous installer à côté de Perry Cochin, c'est parce que nous allons recevoir une artiste qui est candidate pour la nouvelle Marianne, Anne-Sophie de la Coquillette. Hop là. Bienvenue, bonsoir. Anne-Sophie de la Coquillette, ça fait plaisir de vous revoir. Ah, moi aussi, Laurent, moi aussi, alors, moi aussi. Anne-Sophie voulait proposer un projet, je crois, pour la création de Marianne. Bien sûr, j'ai voulu dire que la nouvelle Marianne allait enfin redevenir anonyme. Comme Evelyne Thomas, d'ailleurs, tout cela est très logique, finalement. Ah, alors, dès que j'ai su ça, j'ai enfourché mon sanglier le plus véloce et hop, direction la capitale. Oui. Bon, je n'allais pas laisser passer une si belle occasion de mettre en pratique mes talents de sculptrice. Vous sculptez? Mais bien sûr que je sculpte. Ah, depuis toujours, je sculpte, je taille, j'adore ça. Alors, j'ai une passion. Non, j'ai une préférence, je vais vous dire tout de suite. Oui, j'ai une passion pour les matières molles. Ah. Oui, bien sûr. Mais pourquoi pas? Hein, vous voyez, l'argile, la terre glaise, la merde, la pâte à modeler, on est fous, la pâte à modeler, le pénis de mon mari aussi, oui, pourquoi pas, tout ce qui est modelable, j'adore ça, mais je peins également, vous savez ça, que vous peignez? Ah, je peins des natures mortes, j'adore ça, des animaux morts parce que, oui non parce que quand c'est vivant ça bouge tout le temps, c'est pénible, on peut pas le mettre, toujours à secouer la truffe, dire reste en place. Voilà. Et là, vous comptez vous atteler à Marianne. Tout à fait, alors, c'est un projet que je... allez-vous choisir comme modèle? Oh, comment osez-vous poser la question, mes créances et les rats fifrelins? Mais vous êtes fous? À votre avis, mais qui mieux que moi pour incarner les valeurs de la République? Ah, c'est hein? Ah, bah bien sûr! Ah, bah je m'y colle, évidemment! Ah, bah bien sûr, c'est simple, je vais mettre un bonnet de schtroumpf, et hop, je fais un autoportrait! Enfin, un autobuste, si je peux me permettre! Voilà, tout simplement, c'est facile! Qu'est-ce qu'il y a? J'aimais bien terminer, tout le monde descend. Ah oui, mais je l'ai enlevé, ça l'a... Dans l'énergie de la phrase, ça allait retomber. Ok, alors, d'accord. Voilà. Ceci dit, c'est retombé quand même. Alors, on s'en fout, on est fous, on est malade. Comment allez-vous procéder, s'interroge monsieur Trampoglieri. Vous en mettez une couche. Alors, comment je vais procéder? Bien par moulage, tout simplement. Voyez-vous, oui, je vais m'enduire. Enfin, en tout cas, je vais m'envelopper la poitrine dans de l'argile. Oui. Et puis ensuite, je démoule, tout simplement. C'est très simple. Hein. Oui. C'est un procédé que j'adore. Alors, je vais tester un autre procédé sur mon aîné Charles Apollon. Je l'avais oint de plâtre mélangé à du ciment. Et hop, je l'ai mis au four à pizza pour le faire sécher. Manque de bol, impossible de le démouler. Du coup, j'ai jeté 3 tranches de chorizo, un peu d'huile picante. Hop, j'ai cassé la croûte. Ah, avec un burin, comme ça, j'ai cassé la croûte. Mais qu'est-ce vous qui vous a... Oui, on a compris. Cassé la croûte. Mais qu'est-ce... Mais... Jean-Luc, allez, mon vieux. Vous êtes un peu... Vous traînaillez. Oui. Monsieur Trampoglieri se demande. Qu'est-ce qui vous a donné le goût des arts graphiques? Alors, ce qui m'a donné un petit peu le goût de la sculpture, de la peinture, c'est que j'étais modèle étant jeune. Ah. Oui, je posais nu au Beaux-Arts. Le Beaux-Arts, c'est un pipe chaud qui jouxte le... qui jouxte le domicile de Monsieur Lemoine, comme c'est étrange. Je dirais même que c'est Beaux-Arts. Bref, voilà, non, c'est vous ça qui m'a... Vous avez dit Beaux-Arts? Oui, j'ai dit Beaux-Arts. Non, c'est ça qui m'a donné le goût, oui, tout à fait. J'ai enlevé la dernière phrase. Après le buste... Oh, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Après le buste de Marianne, oui. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, tout à fait. Je suis en train de réaliser des petites figurines de plomb. Vous savez, des petits soldats, enfin des soldats comme trois pommes, comme ça, pour mon aîné Charles Apollon, pour qu'il s'amuse comme ça. D'ailleurs, je tiens à remercier messieurs Vandel et Benguigui de m'avoir servi de modèle. Je vais vous dire, là, beaucoup aidé. Allez, je file, hop là. Merci Alain Trampoglieri, secrétaire général du concours Marianne d'Or. La nouvelle Marianne sera donc anonyme. Une question
Allez, une question à 2 euros maintenant. Qui est Jean-Pierre Foucault ? Réponse A, l'animateur vedette d'une émission concurrente sur une chaîne concurrente. Réponse B, le président du conseil d'administration d'une nouvelle chaîne consacrée à Marseille. Réponse C, l'inventeur des dragées Foucault qui redonnerait le sourire à n'importe quel constipé. Réponse D, un ex de Geneviève de Fontenay. Inutile d'appeler un ami ou de prendre le 50-50. Il est un peu tout ça à la fois, Jean-Pierre Foucault, l'ami de la famille. C'est pourquoi il est aussi sur notre plateau. Voici, mesdames et messieurs, pour nous parler de cette chaîne marseillaise dont il est le président, Jean-Pierre Foucault. Quel accueil. Ça me gêne que vous parliez de Geneviève de Fontenay devant Claude, parce qu'il faut que je vous dise la vérité concernant votre mari. C'est bon, vous avez tout dit. Ça y est, oui. Eh bien, au revoir, merci beaucoup. Mais votre mari, je peux vous dire, c'est son dernier mot. Hein. Est-ce que Jean-Pierre Foucault, en tant que président de cette chaîne Marseille oui. Télévision, la LCM... LCM, la chaîne Marseille. Est-ce que vous avez été reçu à l'Élysée par non. le président Chirac? C'est une erreur, c'est terrible. Et d'autant que je n'ai rien à me reprocher, parce que l'homme qui fait les débats chaque soir s'appelle Thierry Trésor, et c'est le fils de... Marius Trésor. Oui. Donc, c'est vrai que là, Marseille n'a pas trop de leçons à recevoir en termes de mixité. Certes non, certes ah. non. C'est une ville où... Où il y a un brassage. Et de tout temps, même quand j'étais gamin, mes copains et mes copines de classe venaient de tous horizons, donc y a pas, on n'a pas de leçon à recevoir, en tout cas à Marseille. Et certainement pas dans la télé de Marseille. Et nous, à Paris, même si on est supporter du Paris Saint-Germain, comme Jean-Luc Lemoyne... Ah, mais c'est comme déjà des mots qui fâchent, c'est très désagréable. Est-ce qu'on peut recevoir votre chaîne de télévision? Oui, vous pouvez la recevoir sur ce qu'on appelle la Freebox, hein, mais en réalité, c'est une chaîne hertzienne qui est gratuite, réservée aux Marseillais. Mais à titre exceptionnel et par dérogation, je peux accepter qu'un des supporters du PSG regarde les quelques victoires de l'OM. Laurent, et Jean-Luc. J'apprécie ce geste et vous avez raison de dire les quelques victoires. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous savez à quoi on reconnaît une vieille voiture à Paris? Non. L'autocollant PSG champion qu'il y a sur le pare-brise. Vous ne la connaissez pas. Et vous savez... Revenez plus souvent. Et vous savez ce que fait un joueur de Marseille quand il a gagné la Ligue des Champions? Oui, allez-y. Il éteint sa PlayStation. Le match nul. Moi, je dis match nul. Merci. Match merci, nul. Merci. Est-ce qu'on voit les matchs de l'OM sur votre chaîne? Bien entendu, puisque nous avons ce qu'on dit, ce qu'on appelle les droits différés, c'est-à-dire qu'une fois que le match est passé en crypté sur une chaîne concurrente, dès minuit et le lendemain, il repasse en clair sur la chaîne Marseille. Donc les Marseillais, gratuitement, peuvent voir leur match. Est-ce qu'il y a l'accent de Marseille, alors? Et commandons. Il y a bien entendu qu'il y a l'accent de Marseille. Et puis, sur la chaîne de Marseille, on ne va pas écorcher le nom d'une rue, on ne va pas écorcher le nom d'un quartier. Ce sont des Marseillais issus pour la plupart de l'école de journalisme de Marseille qui font cette chaîne et ils sont 25 uniquement pour traiter de la chaîne de Marseille, j'en suis très fier. Est-ce que Mireille Mathieu est venue chanter « Oui, j'ai gardé l'accent de Marseille » non, qu'on attrape en essaim du côté de Marseille. Ne commencez pas à dire non. Les textes sont les textes, la poésie c'est la poésie, mon cher. Attention, Mireille n'est pas venue. Voilà. Elle peut pas vendre des Airbus en Chine et venir exactement, à Marseille. Exactement. Non, il y a un truc formidable qui s'est passé à Marseille pendant tout ce qu'on a appelé la crise des banlieues, tout ça. Ouais. À Marseille, il s'est rien passé. Mais c'est normal. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Parce qu'il y a une telle mixité, tellement bien entendu. Ancienne. Parce que les boules de pétanque, c'est sacré. Non, mais c'est vrai. C'est formidable. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé parce que ça fait 50 ans que les uns et les autres nous vivons en bonne intelligence. C'est magnifique. Et puis quand vous avez des barres de HLM avec vue sur la mer, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'avoir des barres de HLM avec vue sur n'importe quoi. Ah, c'est pas n'importe où. Comment ? J'ai parlé d'une figure marseillaise, Clara Morgan. Est-ce qu'elle a une émission le samedi soir à minuit ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Clara Morgan n'a pas d'émission le samedi soir à minuit parce qu'elle est sur une autre chaîne. Je l'aime beaucoup. Elle m'énerve un peu parce qu'elle dit Jean-Pierre Foucault, c'est le père qu'on aimerait tout avoir. Bon, je préfère. Alors que vous pouvez faire la père qu'on aimerait tout avoir. Mais ce qui, évidemment. Mais ce qui me rassure, c'est qu'elle est issue d'un quartier proche du mien, au nom ô combien évocateur, puisqu'elle est née à la Pointe Rouge.
veut dire que l'animateur qu'on connaît et qu'on aime bien, Jean-Pierre Foucault, maintenant qu'il est président d'une chaîne locale, a des vues peut-être encore plus ambitieuses, peut-être un jour devenir président, non pas de France Télévisions parce que le poste est occupé. C'est la deuxième fois pour que un je long m'adresse... moment, monsieur de Carolis. C'est mais... la deuxième fois que je m'adresse à monsieur de Carolis. Attention, non, absolument non. Pas. Absolument pas. Je n'ai pas sollicité... La place de Moujotte à TF1. Non. Je n'ai pas sollicité ce poste de président de la chaîne de Marseille. On me l'a demandé, comme ça me rapproche de temps en temps de Marseille. J'habitais là-bas. J'ai accepté. Non, j'habite à moitié-moitié. Ouais. Donc j'ai accepté, mais je n'ai aucune autre vue. Ne vous inquiétez pas, mon cher Laurent. Qui commente les matchs sur votre chaîne, alors? Alors, ce sont les commentateurs de MTV. mais c'est que par ailleurs, aussi, je suis au centre de formation olympique de Marseille, donc nous sommes un peu cousins, si vous évidemment. Voulez. Mais nous, à Paris, on a les matchs du PSG sur Comédie, la chaîne comique. Isabelle. En fait, c'est pas un mot, c'est une requête. Oui, volontiers. Vous savez que j'adore Qui veut gagner des millions. Merci. Le 25 septembre, c'est la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Mmh. Il y a des tas d'associations qui s'occupent de ça, qui sont complètement fauchées. Quand organisez-vous une soirée au bénéfice de ces associations? Écoutez, je l'espère le plus rapidement possible. Certains autour de cette table ont participé, Péri, pour... Absolument. C'était les papillons blancs, si les souvenirs sont exacts. Vous avez gagné 175 000 euros, je crois. Vous un avez peu été plus. Un petit peu moins brillante avec Guy Bedos. Oui, alors faites-le, Mariole, parce que moi, je vais vous la poser, cette question alors, sur laquelle j'ai chuté lamentablement avec Guy Bedos. Et bien voilà, lequel de ces quatre mots est un verbe de la langue française? Oui. Ministré, oui. Ambassadé, oui. Député, oui. Ou sénaté. Bon, c'est allons-y. Pas sénaté puisqu'elle l'a oublié. Allons-y, faites le mariole. J'ai droit aux trois jokers. Vous en étiez où dans le jeu? C'est vrai, c'est difficile. Ministré, appelez votre ami. Appelez votre. J'appelle Jean-Ben Guigui. Allô Jean. Bonjour Jean. Jean-Pierre, oui, je pense que c'est député. Que c'est député? Oui. Bien sûr. Oui. Bien sûr, dites-le. C'est député. C'est votre dernier mot? Eh bien, si c'est votre dernier mot, bravo. Ah ben voilà. Heureusement, je n'ai jamais. Puisqu'on en est là, très vite, parce qu'on est sur France 2. Pardon. Hop là, hop là. Ah ben, je voulais, hop là, vous faire un cadeau. Oh, attendez, on peut faire un gag. Quoi, c'est un autocollant? Bien entendu, oui. Attendez, Laurent, t'es fou. Ah bah écoutez, en 5 jours passés sur TF1, j'ai jamais eu le droit à un autocollant. Voilà. Ah ça plaît pas, hein? Quoi? Ça plaît pas aux gens, hein? Ça non, vous plaît c'est, pas? C'est pas où, ce sont des you-you, vous n'avez pas compris. Là, ça veut dire qu'on n'est plus obligé de regarder votre émission, c'est parfait. Vous pouvez continuer à regarder France 2 et jouer à Qui veut gagner des millions. Exactement. Sur votre poste de télé quand les programmes de France 2 s'arrêtent, c'est-à-dire vers... Jamais. Mais quand même, la nuit, de temps en temps, vous pouvez regarder Qui veut gagner des millions en DVD et jouer, c'est interactif. Oui, je suis là sur le canapé du salon. Mais c'est, alors vous avez enregistré, comment ça J'ai enregistré 1500 questions, j'ai enregistré 4 fois 1500 réponses, j'ai enregistré 600 phrases de liaison, des « Ah bon ? Vous êtes sûr ? Je vous rappelle qu'il vous reste un joker. » Très bien, c'est le dernier mot. Et à la fin, on n'a pas envie de dire « C'est ton dernier mot, connard, parce que... » J'arrive avec un book comme ça, et en 2 jours, je dois lire toutes ces phrases. Les gens vont devenir fous, ils vont zapper, ils vont rien comprendre, la télé marche plus. Bon, il y a Catherine Barma qui me dit « Arrête ça, il va nous virer !» Catherine Barma a raison. Je suis désolé, Catherine. Voilà. Oui, mais tous les gens qui viennent de l'étranger ont le droit de chanter une chanson, alors allez-y, chantez-nous quelque chose. On connaît, dans chaque hémisphère, notre canne-bière. Il est né le divin enfant, il est né sur la canebière, il est né le divin enfant, il est né sur les Évidemment, il y a certains invités avec qui c'est difficile de faire le zapping parce qu'on les voit peu à la télévision. Oui. C'est pas évidemment le cas de Jean-Pierre Foucault. Voici le zapping de Jean-Pierre par Philippe Vandel. Jean-Pierre, vous êtes Marseillais, mais vous n'êtes pas un vantard, et au contraire, vous manquez de confiance en vous, c'est comme pour les blagues. Vous faites souvent de l'humour, mais comme vous avez peur que les gens ne rient pas, vous riez le premier, parfois même vous riez tout seul. Ça, je connais. Volonté au ski. Je ne veux pas faire de ski. Finalement, je vous garde. Vous voulez des bâtons? Je vous donne des bâtons. Tant qu'à faire, ouais. Ça peut servir. Mettez-moi en deux. Il y a 35 ans que maintenant je travaille. Les 34 premières années sont vraiment les plus difficiles. Il est très très bien tracé, il est remarquable, il est fin, il est sensé, il est...
Au moins, au moins c'est pratique. Voilà. Ouais. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Bon, faut que je sois honnête, il y a beaucoup de vannes aussi qui font rire. Alors, ce qui me plaît chez vous, et je dis ça sans ironie, ce sont vos convictions. Ah. Quand vous avez une idée en tête, vous la dites plusieurs fois, et même parfois, quand vous avez un geste en tête, vous le faites plusieurs fois. Exemple, sur votre carrière. Ah. Une carrière est faite de plein et de déliés. Mais je pense qu'une carrière est faite de plein et de déliés. La règle du jeu étant qu'il y a davantage de plein que de déliés, sinon on ne serait pas c'est là mieux. Pour en parler. Bien en... Le tout étant bien entendu que dans cette carrière, il y ait davantage de plein et de déliés. Alors on a compris. Alors, je veux dire. Vas-y. Je veux dire. C'est intéressant ce que vous montrez parce qu'une carrière en réalité est faite de plein et de déliés. Oui, mais il y a une constante et qui dure depuis des années, Jean-Pierre. Oui. Le gros avantage que j'ai à TF1, j'y suis depuis maintenant 15 ans, depuis 15 ans je parle au même patron. Ouais. Ça fait 17 ans que je parle au même patron, on s'en parlait tout à l'heure, c'est tout de même très agréable d'être dans cette situation. Il y a maintenant 17 ans que je parle au même patron. Patrick Lelay, Étienne Moujotte. À France 3, en 17 ans, vous avez changé 68 fois de patron. Parfois, il faut bien le reconnaître, chez nos voisins, bien on parle, on change de patron tous les 18 mois. Et voilà, et tous les extraits sont de 2003. Ouais. Franchement. Est-ce que j'ai tort dans les propos que je viens de absolument tenir? Absolument pas. Je vous remercie. Que j'ai dit, vous avez des convictions et je le dis sans ironie. Alors, je vous remercie. Oui, mais alors, c'est ça peut-être la différence entre... il vaut peut-être mieux être sur une chaîne où les patrons changent plus vite que les animateurs. Peut-être. Vous voyez ben, oui, je sais bien. Enfin, disons que moi, j'ai changé aussi rapidement que les patrons de TF1, donc je suis toujours là. Bon, parfait. Alors, là, je suis sérieux une seconde. Est-ce que vous êtes mondain? Est-ce que vous êtes dans les cocktails, boire du champagne ou pas? Alors, je vais dire la phrase que je dis à chaque fois, bien entendu, puisque vous l'attendez. Non, vous serez bien pas. Ennuyé que j'en dise une autre. Non. Je dis ce que j'ai horreur des cocktails où le champagne est tiède et les petits fours tombent de l'œil, car chez moi, le champagne est frais et les petits fours tiennent debout. Vous avez foutu tout mon effet à plat. Regardez, voici la preuve. Non, vous n'avez pas? Une once de vérité dans ce type de cérémonie? Non, parce que j'aime pas ce genre de cérémonie où le champagne est tiède et les petits fours tournent de l'œil. Et ensuite, de se faufiler pour avoir des petits fours qui tournent de l'œil et du champagne chaud. Moi, le champagne est frais chez moi, les petits fours sont bons. Chez moi, le champagne est frais et les petits fours sont de qualité. Alors voilà. C'est un homme qui ne change pas d'avis, un homme qui se connaît bien, voilà. Est-ce qu'on se répète pas, nous aussi, Vandal? Toujours, hein? Toujours. Par exemple, parce que j'ai pas l'impression de me répéter quand je dis « Et maintenant, voici Jérôme Bonaldi ». Oh là là, oui. Oh là là. Jean-Pierre, c'est bientôt Noël. Salut, il faut s'y préparer dès maintenant. Ouais. Voilà des idées de cadeaux. Les idées de cadeaux, c'est à offrir un tableau. Mais un tableau unique, un tableau que personne n'a jamais vu avant. L'idée, elle est très simple. Vous avez sûrement une très belle photo qui mérite un tableau. Vous l'envoyez par Internet, c'est une photo numérique, d'accord? Oui. Et vous avez le choix entre plusieurs styles. La photo que vous aimez, par exemple, vous pouvez la faire dans ce style-là. Là, regardez, le style un peu Liechtenstein. Oui, Liechtenstein. Oui. Hein, vous voyez, c'est pas fait par ordinateur, il y a un infographiste qui travaille quand même le truc. C'est pas mal. Autre style possible, chaque fois que vous commandez, c'est à la demande, c'est un peu, c'est un peu Warhol. On dit Warhol. Soit par le net. Oui. Vous envoyez par mail, et si vraiment vous n'y comprenez rien du tout, du tout, du tout, vous pouvez envoyer par la poste une photo argentique habituelle. Et on trouve ça sur France 2. Sur France 2.fr. Voilà, ça c'est Noël, mais il n'y a pas que Noël pour faire des cadeaux comme ça. Il y a également, pourquoi pas, imaginez, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Venez avec moi, Jean-Pierre, venez avec moi. Voilà. Vous invitez quelques amis, et vous reprenez tous en cœur. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Jean-Pierre. Joyeux anniversaire. Quel âge? Que ce soit... Comment? Quel âge maintenant? 41 ans. Alors, voilà, attendez, il y en a un autre aussi. Il y en a un autre. C'est un autre style encore. C'est un autre style, attention, attention. Hop là! Ouais, c'est sympa. Merci. Ça vous plaît? Là, dans les locaux de la chaîne marseillaise. Ah, ça sera magnifique. Chaque journaliste en entrant dans la rédaction devra faire une génuflexion devant ses portraits. Voilà, Ndolo, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. C'est marrant, hein? Très touché. Vous pourrez les emmener, hein? C'est pour vous, c'est cadeau. Ah ben, je suis très on touché. Est comme ça à France 2. Ah ben oui. Je voudrais m'adresser à TF1, c'est pas vous qui auriez fait ça aujourd'hui. Ah, ils vous ont pas organisé d'anniversaire à TF1. Hein. Oui. Nostalgie, très vite, un autre cadeau. Vous vous rappelez, encore c'est né il y a 40 ans. Oh là, j'adore ça. Les petits oursons.
Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est la boîte collector pour les 40 ans. Il y a 3 euros chaque fois que vous achetez ça, qui est un peu cher, qui vont pour la réintégration des ours dans les Pyrénées. Voilà, c'est pas vrai? Oui. Vraiment? Ah oui, vraiment, vraiment. C'est pour Pierre Bénichou, ce truc. Et puis, à chaque nounours, il y a un kilo de plus. Dites-le aussi. Il faut le savoir. Attendez, il y a que j'ai mangé toute la boîte, je le sais. Il y a que des choses naturelles dedans. Il y a du glucose, du sucre, de la vanille, un tout petit peu de chocolat et un secret de fabrication. Et il y a un truc en plus que jamais personne. En plus. Que jamais personne n'avait le droit avant vous. Tout le monde connaît cet ourson-là. Méfiez-vous des imitations. Oui. Il y a également le chocolat blanc. L'ourson en chocolat blanc. Ah oui, c'est les quotas. Ça. Oui. Un peu voilà, blanc, pour les noirs. Je vais te battre. J'espère que je ne l'ai jamais dit, mais bravo Jérôme Bonaldi. Ah, bravo Jérôme Bonaldi. À bientôt. Un jour sortira sûrement un DVD qui permettra aux téléspectateurs de jouer avec moi en synthèse au qui a vu quoi, ah, car volontiers. Ce jeu est en train quasiment de rattraper Qui veut gagner des millions. Et tout Marseille joue ce soir, j'espère en tout cas, qui a vu quoi. C'est parti. Alors... Regardez un petit peu, vous n'avez pas toujours le temps de nous regarder, le classement des chroniqueurs. Je connais, je vous regarde tous les soirs. Christophe Alévèque et Jean-Luc Lemoine sont dans les hauteurs du classement avec Caroline Diamant. À l'inverse du PSG, pardon. Voilà. Oui. Caroline a égalisé en votre absence, oui. Jean-Luc. Ou pas, pour. Il va falloir faire ce sport Stevie, ce soir. Oui. Bon, allons-y, c'est pas mal, 14 points. Je vais pas tarder à atteindre Stevie. Yes. Le match, surtout ce soir, sur ce plateau, aura lieu. Regardez la seconde partie du classement entre Philippe Vandel, 10 points, Jean Benguigui, 8 points. Bon, Péry est largué depuis longtemps, 2 points. Et Claude Sarraute, 7 points. Première photo. Regardez bien, Jean-Pierre, vous pouvez jouer. Hein. Que représente cette photo? De quoi s'agit-il? C'était évidemment dans la presse aujourd'hui. Deux cheminots. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Des comédiens. Ce sont des Français? CGT. Ce sont des Français. Donc. CGT. Syndicalistes? Non. Non. Pas syndicalistes? Non. Oui. Ce sont des comédiens. Comédiens, non. Ils travaillent ensemble? Ah. Ils travaillent ensemble. Dans le domaine du sport? Dans le domaine du sport. Arbitre? Non. Non. Joueur? Non. C'est des sportifs. Kayakistes. On en a parlé en début d'émission pourtant. Hein. Arbitre. Non. Non. Ce sont peut même peut-être vous donner leur nom. Est-ce que ça va vous dire quelque chose si je vous donne leur nom? Oui. Étienne Lavigne et David Castera. Ah, d'accord. Alors, c'est des rugbymen. Et bah même avec leur nom, ils trouvent pas. Ah, c'est peut-être ceux qui ont fait le Dakar, là. Les organisateurs du Dakar. Bonne réponse. Un point pour Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc reprend la tête avec Christophe Alévèque. Regardez la photo suivante. Qui sont ces personnes? Assemblée Générale de Libération. Un point pour Jean Benguigui, très rapide. Qui sont en panne de chemin de fer, comme vous le disiez tout à l'heure. Autre photo, plus difficile. Que représente cette photo? La rivale de Claude Sarraute. Non. Non. Non, c'est une danseuse brésilienne qui a allumé les Champs-Élysées hier soir. Avec Adriana Carambeau. Bravo, un point pour Isabelle Alonso. Ça va le faire. Il a pris un coup de vieux, Lionel Jospin, à côté d'Adriana. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est lui. Mais c'est lui. Il est plus grand quand même. Non, attends, c'est pas lui. Si, c'est lui. Ah, si, par contre, Delanoë, il a vu la Vierge, l'avait dit. Et c'est pas celle qui est à côté de lui. Hein. Photo suivante. Ah, que représente cette photo? Un entraînement de policier. Ah, le CRS. Un coup de sac. Je suis obligé de vous accorder la bonne réponse. C'est con ça alors. Bravo. Bravo, Péry Cochin. Le gilet anti-émeute testé au Millipol, le salon mondial de la sécurité intérieure où vont tous les policiers. C'est une excellente réponse de Péry Cochin. Plus dur. On a un inutile. Qui manque sur cette photo? Ça, c'est plus dur. Normanodou. Oh là là là. Excellente réponse. Un point pour Jean-Luc Lemoine. La nageuse Normanodou. Les autres sont Hugues Dubosc, Maria Metella et Solène Figuez qui représentent la natation française. Et même quand ils ne sont pas en maillot de bain, vous les reconnaissez. Ah bah oui, c'est nos meilleurs nageurs actuels. Jean-Pierre, il faut vous réveiller. Là. Mais oui, non, mais attendez. Oui. Vous pouvez faire appel à un ami, à quelqu'un. Philippe Vandel. Je reconnais les t-shirts. Ah, c'est vrai que ça pourrait être Philippe Vandel. Oui. Qui sont ces deux personnes? Deux politiques? Non. Des Parisiens? Non. Deux chanteurs? Non. C'est pas des Parisiens, c'est des Américains. Des Français, oui. Issus des banlieues? Non. C'est des députés? Non.
Ah, on rigole. Est-ce que c'est les gens du Splendide? Les gens du Splendide. C'est-à-dire pourquoi? C'est pour le tournage des Bronzés 3, non? Exactement. Un point pour Jean-Luc Lemoine. Bravo, Michel Blanc et Christian Clavier. Alors, voilà. Comment vous les avez reconnus? J'ai lu dans Ciné Live un reportage et je me rappelle du t-shirt de Michel Blanc. Voilà. Oh, écoutez, vous devriez jouer au PSG, ça leur fera du bien. Ce sera le mot de la fin, le dernier mot de Jean-Pierre Foucault, qui était venu pour nous parler de sa chaîne de télévision marseillaise, télé locale, la LCM. La chaîne Marseille. La chaîne Marseille. Bah, merci Jean-Pierre. Merci de m'avoir invité. On fait une petite incursion sur notre chaîne pour parler de Marseille, qu'on aime bien, et on nous regarde aussi là-bas. Évidemment, on salue tous les Marseillais. Merci de m'avoir et toute accueilli. La France. Merci Jean-Pierre. Merci. À demain.